tout le monde. C'est parti pour un mardi avec moi. I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. Je t'ai déposé Stacy. Ça y est. Alors après, je vais déjeuner et après je vais me mettre au boulot parce que j'ai plein de choses à faire et en début d'après-midi, ça va être un petit peu la course. Mais ça va aller, je vais gérer. En fait, Stacy finit à 13h. Il y a des cours qui ont été décalés. Elle finit à 13h, donc il faut que j'aille la chercher à 13h. Et c'était Kimberly a besoin de moi à 14h. Alors en fait, c'est moi qui me suis proposée avant que je sache que Stacy finissait à 13h et que Angel avait une leçon de conduite. En fait, je lui ai dit, bah écoute, comme elle a un rendez-vous médical pour Léo à 14h, je lui ai dit, bah, j'ai rien, si tu veux, je viens te chercher, je te conduis. Comme ça, au moins, c'est l'heure de la sieste, quoi. En fait, Noé, il peut dormir et Quentin est là, il le surveille, quoi, en fait. Quentin, je vous avais dit, hein, il a changé ses horaires et il fait... Il travaille le week-end maintenant. Il travaille le samedi. En fait, il fait 12h. Samedi et dimanche. Et le dimanche, il fait de nuit. Donc, il fait 5h. 17h, 5h le dimanche. Donc, à part le lundi, c'est le seul jour où je vais devoir m'occuper de Léo le matin. Autrement, c'est lui qui gère. Et là, en fait, il est là. Donc, il aurait pu y aller. Mais comme c'est l'heure de la sieste de Noé, j'ai dit à Kim... Laisse Noé avec Quentin, moi je vais venir te chercher, comme ça, il peut dormir. Et puis, voilà, pour les gérer dans la salle d'attente et tout, voilà, ou pendant le rendez-vous médical. Donc, je lui dis, comme ça, tu vas tout seul avec Léo, moi je t'attendrai dans la voiture. Et j'espère même que Léo va être compréhensif, parce que ça va être l'heure de la sieste aussi pour lui. Enfin, pas compréhensif, mais coopérant. Parce que souvent c'est compliqué quand ils sont fatigués, surtout que là il y a l'école en plus ce matin, donc il est réveillé de bonne heure, donc ouais, c'est pas grave, hein. Donc du coup oui, je vais, alors Stacy finit à 13h, il faut que j'aille chercher Stacy, que je la dépose à la maison, que j'aille rechercher Kim et Léo, je vais les déposer à son rendez-vous, et Angel a rendez-vous à 15h pour une leçon de conduite. J'ai hâte que ces leçons de conduite soient finies, j'ai l'impression que ça s'éternise ce truc. En fait, au lieu de lui dire il faut que tu prennes encore autant de leçons, et ben il lui donne au compte-goutte. Donc à chaque fois, il doit aller en reprendre deux, à chaque fois. Je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre, hein, maintenant. Et c'est vraiment, ça vient pas de l'auto-école d'Angel, parce qu'en fait vous êtes beaucoup à me dire que vous avez le même coup avec vos enfants, quoi, en fait. Ouais, c'est... Alors là, Angel, il gère... en fait, il gère tout ce qui est pratique. Ce qu'il y a, c'est que quand il conduit... Il a du mal à se faire confiance. Mais ça, c'est le souci d'Angel, quoi, en fait. Donc, à chaque fois qu'il doit faire un truc, il va devoir pour... Enfin, il va regarder son moniteur et dire « Je peux y aller, c'est ça que je dois faire. » Alors, il fait les manœuvres nickel, il fait les trucs, mais c'est vraiment en conduite. Il se demande encore « Est-ce que je dois rétrograder à ce moment-là » Est-ce que... Vous voyez, des trucs... Il a du mal à se faire confiance, quoi, en fait. Et c'est ce que son moniteur, il dit. Il dit « Bon, après, ça va venir en conduisant, hein, ça va venir en pratique. » Mais ce qu'il y a, c'est que le jour de l'examinateur, il faut que... Le jour de l'examen... Il faut vraiment que tu sois sûr de toi et que tu fasses, quoi, en fait. Parce qu'autrement, s'ils voient que tu hésites et que... voilà. Mais ça, c'est le gros souci d'Angèle. Et puis, Angèle ne parle pas aussi. En fait, c'est un mur. Il parle pas beaucoup et il va pas poser les questions. Vous voyez, quand il comprend pas quelque chose, il faut vraiment décrypter pour savoir, là t'as pas compris, je vais te réexpliquer. Parce que c'est pas de lui-même, il va pas dire maintenant là j'ai pas compris, tu peux me réexpliquer. Il a toujours été comme ça, même à l'école, ça a toujours été. Et en tant qu'adulte, c'est encore la même chose. Je sais pas si c'est de la pudeur, si c'est bref. Ouais, donc du coup là. Comme en plus il a changé d'examinateur en cours de route, sur les dernières leçons en plus, donc du coup en fait, l'examinateur ne connaît pas encore très bien, vous voyez, Angel et tout, donc il doit complètement, enfin bref, mais j'ai hâte que ça soit bon,
Hein. Après, je pense qu'ils attendent vraiment qu'ils soient... Parce que maintenant, pour passer le permis, c'est pas... Nous, avant, quand on passait notre permis, 15 jours après, si on le loupait, on pouvait le repasser. Eux, en fait, il y a des listes d'attente pas possibles. Donc, je pense qu'ils attendent vraiment que le gamin est prêt à passer son permis pour être sûr qu'il l'a avant de le passer, quoi, en fait. Pour justement éviter de devoir réattendre pour, par la suite. Enfin, j'espère. Mais j'ai hâte quand même. Donc oui, je vais voir avec Greg si c'est possible sur le qui aille déposer Angel. Je sais que Greg voulait aller passer l'après-midi au potager. Donc à voir. On va essayer de se débrouiller pour que après j'ai plus rien, je rentre à la maison, j'ai plus rien. C'est juste que c'est concentré sur le même, au lieu d'être étalé, c'est tout concentré sur le même 2 heures quoi en fait. Et il va falloir que je gère tout ça sur ces 2 heures. Bon, allez, je déjeune et ensuite je fais mon bourguignon pour ce soir. Comme ça il va mijoter, je vais le faire à la mijoteuse, comme ça il va mijoter jusqu'à ce soir, j'aurai plus besoin de m'en occuper. Et je vais faire le blessing du jour c'est les poussières. Et il faut que je fasse la zone à fond des poussières, mais la zone elle est petite, c'est l'extérieur et l'entrée, donc l'entrée ça va aller très très vite, il n'y a pas grand chose à faire. Allez, on y va, je déjeune, il me reste du porridge qu'il faut que je finisse, donc je vais porridge banane coco. Allez, on va manger puis ensuite comme je l'ai dit on va I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. Cuire, je vous mettrai la recette en barre d'infos, je vous l'avais déjà partagé. Le seul truc c'est que là j'ai oublié de faire mariner ma viande hier. En fait je l'ai sortie hier soir et du coup voilà, mais c'est pas grave, ça change un... c'est mieux quand c'est mariné mais ça change pas grand chose à la fin quoi en fait. Enfin, c'est quand même mieux parce que le goût, la viande est un peu plus marinée et tout, donc le goût est différent, mais ça passe aussi quand c'est comme ça. On ne voit pas énormément de différence, quoi. Alors, moi, ce que je fais, c'est que du coup, là, comme je ne l'ai pas fait mariner, j'ai fait flamber mon cognac, alors que d'habitude, je le mets dans ma marinade. Et du coup, j'ai fait revenir les oignons avec la viande. Mais autrement, je n'ai pas changé grand-chose de la recette. Il va falloir que je rachète des... Vous aussi, vous faites ça. En fait, on ne voit pas de cognac, madère et tout. Donc, j'achète en flasque comme ça. C'est comme le rhum Negrita. Alors, la dernière fois, je me suis demandé, je n'ai pas trouvé en flasque
C'était Inter, je pense que j'étais. Donc du coup, j'ai acheté la bouteille Negrita, ça va me durer des plombes. Mais là, ouais, il me faut que je rachète du cognac. Mais j'achète toujours en flasque parce que comme je n'utilise pas très peu, ben déjà ça me dure facilement un an, quoi, en fait, parce que là j'ai mis juste un petit bouchon, vous avez vu, et c'est largement suffisant, quoi, en fait, pour flamber. J'ai eu des belles flammes. Alors dans ma recette, moi, de bourguignon, je mets pas tout de suite les petits oignons grelots, les champignons et les lardons. Je les mets à la fin de ma recette. Et le petit secret, c'est le chocolat noir à la fin de la recette. Ça apporte quelque chose à la sauce. Vous pouvez pas savoir que c'est lui, il y a du chocolat noir. Mais, enfin, en fait, vous allez au goût. Vous voyez, quand vous allez goûter, vous allez dire... Enfin, les gens qui savent pas que vous avez mis du chocolat, ils vont vous dire, il y a un truc dans ta sauce... qui fait que ça... Voilà, vous voyez le petit truc qui fait... mais je sais pas c'est quoi. Et voilà, et c'est le petit secret. Je vous le conseille de tester. Ça apporte, je sais pas comment... Le liant du beurre et la petite saveur du... L'onctuosité du beurre, comme si vous rajoutez un morceau de beurre en fin de cuisson, vous voyez. Mais il y a la petite saveur du chocolat noir qui va... Enfin voilà, arrondir tout ça. Enfin franchement, je vous le conseille. Bref, je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Là... On va l'attaquer les poussières. Je vais déjà l'attaquer ceux du haut et après je ferai ceux du bas. Alors c'est les poussières vite faites. Hein. C'est les poussières avec le petit plumeau que je donne un petit coup partout. Quoi. En fait voilà, c'est pas du ménage de zone, donc il n'y a pas de ménage de profondeur. Je ne m'amuse pas à tout retirer pour tout enlever. Pour tout poussiérer, dépoussiérer. You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. Alors j'ai fait mes poussières, j'ai mis aussi à jour mes enveloppes. Et là ce que je vais faire, alors avant de commencer mon ménage de zone, je sais même pas si j'aurai le temps de faire quoi que ce soit aujourd'hui, parce qu'il est déjà 11h passé, je voudrais faire mon repas pour ce midi, parce que moi il faut que je mange avant d'aller chercher Stacy, parce que autrement j'aurais, enfin je vais pas avoir le temps après. Parce que je vais déposer, je vais chercher Stacy, je vais récupérer Kim et Léo sur le retour. Et ensuite je dépose Stacy et je vais directement conduire Kim à son rendez-vous. Et je rentrerai pas, je pense, avant 15h, je vais pas manger à 15h. Alors, ce midi je vais faire soupe poireaux avec ce qu'on appelle des grilled cheese, comme des burgers, comme des croque-monsieur, mais juste avec du fromage à l'intérieur. Alors, je vais faire la soupe comme d'habitude avec mon robot. Je vais faire une soupe poireau chèvre frais. Alors, tout simple, je vais mettre poireau oignon dans le robot. Je vais mixer un petit peu pour que l'oignon, voilà. Je vais les faire cuire dans un petit peu de beurre. Ensuite, je vais ajouter du bouillon et des pommes de terre. Ouais. Pour avoir le côté un peu plus, parce que autrement ça va être de l'eau. Et ensuite je vais mixer, enfin faire cuire, mixer, et au moment de mixer, donc du sel, du poivre, et au moment de mixer j'ajouterai un petit peu de chèvre, et après au moment de déguster aussi je mettrai un petit peu dedans. I'm not good for you, can you see that I will drag you down. Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And
Ça va aller vite. Là, je vais manger parce qu'après, comme je vous ai dit, je vais chercher Stacy. Il est déjà midi, ouais, midi passé. Donc, je vais manger vite fait. Puis après, je vais chercher Stacy et je vais chercher Kimberly et Léo. Donc, grilled cheese, ils sont en train de griller. Et puis, la petite soupe de poireaux que je viens de mixer. Donc, pour la soupe, j'ai juste rajouté une petite quenelle de chèvre frais. Un peu de persil et des oignons frits, voilà, pour apporter un peu de croustillant. Ouais, je me j'ai été redéposer Kim. Donc j'ai été chercher Stacy, j'ai été chercher Kim et Léo, j'ai redéposé Stacy, j'étais avec c'était Kim à son rendez-vous. Alors j'ai pas été avec, hein, je l'ai déposé. Le temps qu'elle était dans son rendez-vous, j'étais jusqu'à Action du coup pour aller faire un petit tour, puisqu'il y en avait quand même pour un bon trois quarts d'heure. Donc plutôt que d'attendre la voiture, voilà. Et puis après je suis retournée la chercher, là je viens d'aller la déposer, le petit s'endormait dans la voiture, mais ça va, elle dit qu'il a été sage et tout. Alors à Action j'ai trouvé, alors je sais pas si vous les aviez vu passer, mais les roll qu'on vient à base d'huile essentielle, ils sont à moins d'un euro, et du coup moi je me suis dit, je me suis laissée tenter. Alors il y a le relax, je pense que ça doit être à la lavande. En plus c'est des grands contenants quand même. J'ai ma montre de ce côté là. Alors ça sent à la lavande mais pas que, à mon avis. Il y a du... Ah non c'est là, c'est romarin, focus. Ah c'est ça. Ah oui, ça sent le romarin en effet. Ouais. Je croyais que c'était lavande celui-là, mais non, c'est romarin. Alors, je sais pas trop les ingrédients. Alors après, vous avez le... Celui-là, à mon avis, ça doit être avec de la lavande. Ouais, avec de la lavande. Et ensuite, celui-là qui est avec du citrus. Citrus oil. De l'huile de citron. Ensuite, il me fallait un nouveau
moulin à café, parce qu'en fait celui que j'avais acheté pour le sel, il est mort. En fait c'est un truc en plastique et du coup vous voyez c'est celui-là, je vais vous montrer. C'est celui ici, donc c'est le sel le guérandais, et en fait c'est un truc en plastique à l'intérieur et j'ai l'impression que les dents sont usées là maintenant, en fait il broie plus, il m'en reste à l'intérieur et j'arrive pas. Alors j'avais acheté celui-là parce que justement il était rechargeable, donc je me suis dit cool, on va pouvoir le recharger, et en fait compte ouais, c'était peut-être pas, c'était pas une bonne idée. Ouais, des fois, j'ai pas des bonnes idées. Et en fait, à Action, je suis tombée sur un lot comme ça, en bois, carré. Et je me suis dit qu'ils étaient pas mal. Il y en a un pour le poivre, donc il y a un P dessus. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'il y a ça écrit. Mais je me demande si je pourrais pas essayer de le poncer un petit peu pour l'enlever. Et le sel. Et il y a un S, en fait, dessus. Et je les trouve... je les trouve beaux, je trouve qu'ils vont bien dans ma déco. Donc voilà, je les ai pris et j'ai regardé, c'est un truc en céramique pour broyer. Parce que je me suis dit, je vais pas arracher du plastique. Mais en lisant derrière, il était écrit en céramique. Moulin sel avec broyeur réglable en céramique pour sel de cuisine sec. Moulin à poivre avec broyeur réglable en acier, celui-là. Pour poivre en grain, ajustez le broyeur des deux moulins en tournant le bouton. Ouais, celui-là c'est pour le poivre, il est en acier. Et celui-là il est en céramique. Donc ouais, je testerai. Et je me suis acheté deux pelotes de laine. Alors je vous avais dit hein, que je cherchais un hobby machin. J'avais dit ouais il y a le tricot et tout, mais je sais pas si ça me plairait et tout. Et en fait il y en a plein qui m'ont dit mais il y a le crochet et tout. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais je faisais du crochet quand j'étais plus jeune. Donc je me suis dit que ça pourrait être voilà, une petite idée. Et j'ai regardé du coup sur Pinterest pour avoir des idées. Et j'ai vu pas mal de petits trucs qui pourraient être sympas à faire. Donc je vais me... parce que c'est vrai que dans mon temps quand on faisait du crochet c'était pour faire des napperons, je sais pas si vous vous souvenez des napperons là en crochet. Et mais bon c'est plus du tout enfin quoi que ça revient hein. Mais voilà c'est pas du tout mon style, enfin c'est plus du tout mon style. Donc du coup je me suis dit oh pas trop, mais là j'ai vu faire des sacs de course, des trucs comme ça et tout, et ouais donc du coup je me suis laissée tenter. On va tenter ça, je sais pas si ça va durer longtemps, mais c'est le genre de truc comme je vous ai dit, c'est pour m'occuper les mains quand je regarde la télé, et du coup ça me force à rester assise. Ah ouais, au citron. Ouais. Et du coup, le bleu. Ah, la lavande. Ça peut être pas mal aussi sur les piqûres. Vous voyez, quand on se fait piquer par un moustique que ça gratte, l'huile essentielle de lavandin fonctionne pas bien. Bon, allez, je vais ranger ça. Puis après, il est déjà bientôt 4h. Je vais... goûter parce que j'ai un peu faim, le fait de manger vite fait ce midi. Et puis je vais commencer à monter la vidéo. Greg est au potager, je sais même pas à quelle heure il rentre. Je vais commencer à monter la vidéo tranquille et après on verra, on va voir ce qu'on va faire. Faut que je me trouve un crochet. Je croyais qu'à Action ils vendaient des crochets, mais ils en vendaient pas. Et je me souviens que Stécie avait acheté le truc là qu'elle a laissé tomber parce qu'elle y arrive pas pour faire le petit bonhomme là. Et du coup je me dis que je vais lui piquer son crochet, et après s'il faut, je vais voir déjà si ça me convient, si j'accroche, parce que vous me connaissez hein, j'accroche pendant un temps puis après ça me lasse. Donc je vais voir, et puis si j'accroche ben je continuerai. j'achèterai des voilà, des trucs un peu plus c'est pour ça que là la laine, au début je me suis dit oh, c'est peut-être pas de la bonne laine et tout, mais je me suis dit oh, pour te faire la main ça ira très bien, c'était 1,25€. Puis après on verra pour acheter une laine un peu mieux que celle-là qu'on fait, si vraiment je continue, si j'accroche. Alors j'ai commencé à bosser un petit peu, je vais allumer, commencer à faire noir. Il est 5h30, Greg va sûrement rentrer sous le coup de 18h. Je suis en train de préparer la salade d'endives pour ce soir, et après je vais couper les pommes de terre, on va manger le bourguignon avec des frites. C'est vrai que souvent on fait avec des pâtes, mais nous chez nous on aime bien avec les frites.
Alors, je vous montre du coup ce qu'il donne. J'ai rajouté, parce que là il est fini les cuire, il est sur machin au chaud. J'ai rajouté quand on était à 7h, parce que j'ai mis 8h puissance 12. Quand j'étais à 7h de cuisson, j'ai rajouté mes petits oignons, mes lardons, mes champignons et mon carré de chocolat. Et regardez-moi ça, la couleur qu'il a déjà. Bon, après il paraît beaucoup plus foncé à la caméra. Vous voyez là, il n'est pas si foncé que ça. Et la texture. Voilà. Ça va être bon ça. Hop là. Alors, ça a d'endive et on va couper les patates. J'arrive, Marley. Je me suis fait aussi une petite infusion aussi. Je reprends mon infusion pour mon dos. Je vais refaire une cure là. J'espère que ça me fera du bien. C'est aussi peut-être pour mon épaule, parce que franchement, je continue à avoir mal. Alors il y a certains mouvements, vous voyez, comme là en fait, quand je fais ça, ça me tire dans l'épaule ici. Et là c'est la même chose, quand je tourne la tête en fait, ça me tire dans l'épaule. Et je pense vraiment que c'est parce que je dors pas bien dû à mon dos. Et du coup je mets mal mon épaule quand je dors et ça me fait mal en fait. Bon, je vais aller ouvrir un Marley, puis je vais continuer à y préparer ma... Alors moi la salade d'endive, je fais une vinaigrette à base de moutarde et je mets des petits lardons dedans et des petits morceaux de fromage et peut-être des noix aussi. Ouais, on va y aller jusque là. Alors là je vais mettre de l'emmental, mais du comté c'est bon aussi, ou du bleu si vous aimez. La dernière fois j'avais mis du bleu anglais là, du Silton, c'est vraiment très bon avec des noix. Alors moi j'aime bien aussi ça serait que pour moi, j'ajouterais aussi des petits raisins secs ou des choses comme ça. Ou des morceaux de pommes aussi. Mais Greg n'est pas trop sucré salé, donc j'évite. Alors, préparer du coup les frites et la salade. Il y aura juste à l'assaisonner. J'ai préparé la vinaigrette dans un petit gobelet. J'aurai juste à verser dedans. Là, je suis en train de faire les 2-3 petites routines du soir. C'est vrai que je vous en parle pas beaucoup parce que souvent il y a tout le monde qui est là et tout, donc il y a un petit peu de bruit et tout à la maison. Mais la petite routine du soir, alors elle s'est vachement allégée par rapport à avant, parce que je ne fais beaucoup plus le matin. Par contre, ce qui est resté, c'est le linge. Je prépare une lessive pour la nuit, quoi. En fait, nous on a le compteur de nuit, donc le matin en fait Greg, quand se le réveille, il met le linge directement dans le sèche-linge. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, hein, et puis moi je m'en occupe du lendemain matin. Je m'occupe aussi de la cafetière, je refais le plein d'eau et le plein de café et je la nettoie. Il n'y a rien qui m'énerve le plus que le matin quand je me lève et que je dois faire un café. Vous voyez, je vois la tête dans le pâté là, vous avez juste envie d'un café et qu'il manque de l'eau dans la cafetière ou qu'il manque des grains de café, ça m'énerve. Donc du coup voilà, je fais ça. Et ensuite je sors la viande pour demain, mais demain je regarde mon menu, c'est des lasagnes, j'ai pas besoin d'en sortir. Je donne un petit coup à ma porte-fenêtre, alors si elle en a besoin, c'est surtout pour Marley, et de moment vous voyez il salit en bas et tout, donc je donne un petit coup vite fait. Je la fais pas à fond, c'est juste pour donner un petit coup de propre, parce qu'autrement on voit sa truffe ou ses traces de pâtes ou quoi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus quand il pleut. Là j'ai regardé, il n'y a rien, donc j'ai pas besoin de le faire. Et puis ensuite le soir on nettoie le plan de travail, on remet la cuisine en ordre et puis on lâche le lave-vaisselle. Et le lendemain en fait matin, j'ai plus qu'à le vider comme ça. Voilà, tout est fait, on le programme en fait pour la nuit. Bon allez, je le lance pas, je le programme pour la nuit. Là je vais préparer une lessive, du coup programmer la machine à laver, et je vais aller prendre une petite douche. Greg ne devrait plus tarder à arriver, je pense. Il est 18h, donc je vais profiter d'avoir la douche pour y aller en mettant de la musique à fond. Non, parce que les enfants sont en haut, ils vont me dire c'est quoi cette musique maman, musique de ringard. On va manger, Greg est préposé aux frites. Donc frites carbo et la salade d'endive. Ça va, j'ai fait un petit essai, ça va, j'ai pas trop perdu la main. Alors juste le comptage de mailles qu'il faut que je... Alors je vais tenter de faire ça. Tenter de faire ça.
On verra. Là, je suis en train de faire la tête. On verra si ça fonctionne déjà. Hein? Bon, après, même si c'est pas parfait. C'est pas grave, ça m'aura fait passer le temps. Ça va, j'avais peur. C'est parce qu'avec mes mains, j'avais pas attrapé des crampes et tout, mais ça va à peu près. Bon, allez, je vais vous laisser. On va manger. Alors, le truc, je l'ai trouvé sur Pinterest. J'ai tapé doudou crochet et je suis tombée là-dessus. Et c'est sur le site. Alors, @ami.toys sur Instagram. Et c'est Amigurini, AmiGurini, gratuit. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, au niveau des mailles, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs de compliqués. C'est juste des mailles serrées. Il faut juste faire un anneau magique et des mailles serrées. Et je pense qu'il n'y a que ça. Faut que je regarde, mais je pense qu'il n'y a que ça. Bon, après, pour me rappeler les mailles et tout, c'est comme là, je savais plus faire l'anneau magique. Et en fait, je mets sur YouTube. Je mets tuto YouTube faire anneau magique et je trouve un truc et voilà, c'est revenu. Bon, allez, on va manger. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. You're standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name.